Bonjour à tous. Alors, une petite astuce pour les personnes qui aiment, comme moi, le macramé. Donc ici, récemment, je suis tombée en amour pour le macramé et j'ai juste récupéré ceci qui est adapté pour macramé, mais pour faire en général tout ce qui est petit volume ou bracelet. Donc, il s'avère que c'est un peu petit, un peu juste. Regardez, et je voudrais faire un set de table rond. Mais peu importe. Alors, une astuce pour ne pas acheter au prix que ça coûte entre 25 à 60 euros une table spéciale macramé. Donc la macramé board qu'ils appellent ça. Eh bien, regardez, vous récupérez tout simplement un tapis comme celui-ci. Celui-ci vient de chez Action. Maintenant, si vous en avez un bleu, un vert, un rouge, peu importe, c'est comme vous voulez. L'avantage, comme ça a la forme d'un puzzle, vous pouvez assembler plusieurs morceaux si vous faites en plusieurs parties. Donc ici, je vais vous montrer déjà une petite astuce pour s'y repérer plus facilement parce que regardez, ça devient de la folie. Alors, j'ai retiré toutes les épingles. Alors, l'idéal, c'est d'avoir des épingles avec des petites boules, c'est plus marrant. Je retire tout. Alors maintenant, si vous voulez en même temps faire l'effet tissage, rien ne vous empêche de, ici, entre deux, prendre un cutter et venir faire des entailles comme bon vous semble. Mais moi, perso, ça ne m'intéresse pas. Donc, je le laisserai comme celui-là. En tout cas, dans un premier temps. Voilà, donc je reprends mon projet. Je viens le mettre vers le centre. C'est toujours approximatif, hein. Donc quelques épingles pour soutenir. Voilà. Et maintenant, je viens attacher au bon endroit. Alors, c'est pas compliqué. Moi, ici, en fait, j'ai fait des petites bobines. Je vais vous montrer. Je vais retirer le petit élastique. Ce sont des petits élastiques loom. Et des bons marchés. Alors, regardez. Je prends mon fil, qui est celui-ci très long. Alors, avec vos doigts, vous vous aidez. Tac, tac. Hop. Puis, on fait comme ça. Ça, vous savez faire facilement. Voilà. Je l'adapte plus ou moins à la grandeur de la plaque. Je prends mon élastique, je viens attacher, comme ça on est tranquille. Je prends une épingle et je viens le fixer ici, regardez. Alors donc celui-ci va venir approximativement là. Bon, celui-ci est déjà attaché. Ce que je fais, je tourne encore un petit peu. C'est pas un souci en soi. Et je fais pareil partout. Comme ça, ça ne part plus. Et en même temps, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on va utiliser le macramé. Pour avoir un facile avec notre macramé. Donc,
je retire l'épingle, je la mets là par exemple, je viens faire mon point. Je repositionne l'épingle et je procède comme ça pour tout le temps. Et regardez, c'est beaucoup plus facile pour retrouver le bon fil. Hop, et on vient l'attacher. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas pour moi, ça l'est. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien et à bientôt.